Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon décalage horaire, il m'a tué. Voilà. Regardez le sol comme il brille. Faut qu'on n'était pas. Ça fait archi longtemps que j'ai pas fait de sport. Et ici sur le site de FTA, vous avez tous les détails. Choisir entre tous les programmes, comme vous voyez, j'ai abdos flash, afro, fit dance, enfin haut du corps. Voilà, en fait, vous choisissez. Donc j'ai choisi haut du corps pour aujourd'hui. Le cours il dure. Au plafond. 3, 2, soyez bien. Passez la tête. Encore deux. Avec moi. 4 temps. Tu descends de la chaise ou de la boxe. Utilisez un petit peu vos jambes, ne l'utilisez pas du tout. C'est... Monte. Voilà, comme ça. Wow. Les amis, je fais une petite pause, j'en peux plus. Trop chaud, je vais pas vous montrer toute la séance pour pas vous fatiguer. Un an que j'ai mon abonnement Fitaya. Genre vous avez plein de cours de plein de catégories de sport, de votre iPad, vous pouvez le faire de votre... J'aime beaucoup avec les vidéos. Là vous voyez j'ai mis une petite... voilà, vous allez vraiment pas être vraiment très très bien coaché, très très bien. Vraiment une rubrique personnelle comme vous voyez. Vous avez une chaise, etc. Voilà, moi j'ai du mal avec des choses que vous avez... Donc de toute façon, pas besoin de vous dire qu'en fait c'est beaucoup moins cher qu'une salle de sport. Là où trait, ou l'accès premium, donc qui est à 29 euros, l'abonnement premium, pardon. Et vous aurez donc chaque semaine avec votre perte de poids, les calories que vous souhaitez perdre. Enfin, tous. Vous avez deux choix. Celui à 9 euros, celui à 29 euros. Peu importe celui, ils sont fermés. Donc profitez-en les amis, parce que ça va vraiment vous faire du bien. Petite précision, quand vous allez payer votre abonnement, genre tout seul, là vous avez ce qu'on a aujourd'hui d'avoir internet, c'est extraordinaire. J'ai un code promo plutôt cool, à 14 euros seulement pour l'abonnement. Depuis Dubaï, my queen. Ça fait vraiment du bien d'être à la maison. Je passe de la neige à la piscine. We swim, Kaido? Ok. Allez, mon Kaido. J'ai bien ma fille en la piscine. Just rest. Qui est la blues back. Maman, tante hier, je... Tu veux que maman te donne quelque chose qu'on s'est pas vu? Viens, 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 va manger, viens. Laurent, il me voit lui donner un une fois le soir. Même le minérage. Là, ma fille, elle est contente, là, elle se régale. Je me suis cachée. Évidemment, il va avoir le snap, hein. Je suis pas bête. Une fois que c'est fait. Pour tous ceux qui ont prêt pour vos chiens, mais également qui sont prêts en fonction de votre chien, je vais vous montrer comment ça marche. Donc c'est vraiment bien pour eux. C'est super chiant de voir mon reflet, mais je vous montre. En gros, ça se passe comme ceci. Blue, ok, vous faites suivant, apprenez. Vous mettez la race du chien, voilà, vous cherchez. Année, bah, année, oui, suivant. Parce qu'en fait, vous voyez, vous pouvez même gérer idéal. Hein. Et en fait, il y a aussi des chiens qui ont des allergies, donc recette pour Blue. Donc la meilleure recette, levure de bière. Pour Blue, il conseille 132 grammes par jour, soit 1 euro. En plus, les amis, si vous commandez aujourd'hui, vous avez moins 50% sur vos deux premières semaines de paquets de croquettes, plus... Donc c'est super cool, donc pendant deux semaines, genre les colis que vous allez rendre disent offerts. Pour voir cette belle offre, vous aviez pu voir ces derniers jours, cheveux blancs bien sûr... J'étais pas trop présente sur les réseaux. Donc la première, je sais même pas si mes snaps passaient ou pas, parce que déjà j'étais tellement mal, j'arrivais même pas à regarder mon téléphone. Donc je comprenais rien sur mes snaps passaient ou pas. Ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée le mercredi à Oron. Voilà, maintenant je peux le dire vu que je suis à Dubaï. Donc Oron, qui est une station de ski dans les Alpes de ma vie. 42 fièvres, 6 jours toutes les 20 minutes. Donc vraiment, j'ai été traumatisée. Grippale de ouf, genre crampe, courbature. 72 heures avant, j'ai fait un test pour pouvoir. Inquiétude de me dire que peut-être que oui et que j'ai été mal détectée à Dubaï, je refais le test. Bon, je suis négatif. En terre, dû à quelque chose que j'ai mangé dans l'avion. Enfin, j'étais très, 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 très malade. Voilà exactement ce qui s'est passé. Donc, j'allais à Oron pour. C'est une station que je côtoie depuis que je suis allée là-bas, donc pour fêter l'anniversaire de Sitsika, vu que Sitsika. Donc, ça devait être une semaine de ouf. J'avais organisé plein d'animations, des restos. Incroyable, genre service, prestation de ouf. La fille m'a organisé le gâteau, l'événement, le buffet, le photo. Donc tout devait bien se passer. Donc, mais bon, malheureusement, ma soeur, Léa, Noise, ma mère, hier. Voilà, pour vous dire. Donc ça a vraiment été du première minute jusqu'à la dernière minute que j'ai parti sans ami. Donc du coup, bah, la nuit, tout ça, tout ça.
forcément, entre maladie et mes bébés, ça a été très compliqué, très très dur. Voilà, c'était... Pourtant, il y avait tout le monde pour m'aider. Hein. Il y avait ma mère. Je reviens studio, c'est que je leur ai rien refilé. Donc ça, c'était pour la petite parenthèse de ma maladie, pourquoi j'ai pas snappé ces derniers. Passé à Oron. Ça a été incroyable. Donc pour tous les gens du sud de la France, les gens qui me connaissent et... Je vous explique. En gros, moi, je suis allée là-bas beaucoup, beaucoup de fois depuis mon enfance, mon adolescence, etc. Elle, carrément, elle a grandi là-bas toute sa vie. Elle a grandi là-bas, c'est sa maison. A prévu notre arrivée, en fait, en gros. Comme c'est au sud Nice, etc. Ma tante, elle a fait les choses bien. Elle est partie, voir des commerces. Le d'amis à nous qui vivent là-bas. Donc, elle va leur... Mais visiblement, le jour de l'arrivée, il n'y avait que des trucs spectaculaires. Déjà, au rond, wesh, nanana, je sais pas quoi. Ça me crie des bleus. En fait, ouais, je viens de Dubaï à Oron. Et alors, en fait, parce que moi, je suis toujours la même fille qu'avant. C'est pas parce que moi qui connaissent. Sans problème, je vais à Jean-Médecin, à Oron, au Moulin, à l'Ariane, à Condamine, à où vous voulez. En fait, ouais, je comprends pas. Donc, j'en vois péter les petits, mais c'est rien. Donc, les gendarmes, c'est beau et tout. On leur fait fermer la gueule. De là, mon rêve, c'était d'inscrire mes enfants. Je me suis dit, j'espère qu'il va pas y avoir une foule autour d'eux parce que je vois plein de gens venir vers nous. En fait, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je paye des cours de ski particuliers, problème, d'accord ? Eh ben, je paye donc pour ça. Donc je paye pour cette sécurité, je paye pour ces coups TikTok. En disant, la JLC est à Oron et Chelsea et Kayden sont... Je dis là, ça y est, tout le monde veut savoir qu'on est à Oron. C'est super. Donc j'ai un peu les bouts, chasse à l'homme, rumeur dans tout le village. Donc les gendarmes en fait, il y en a des beaucoup moins gentils. Mais en règle, la montagne à la campagne, je comprends pas. Donc là, pas de... c'est pas la brin. En France, je suis choquée, c'est super strict, je suis très contente, j'ai dit ça pour vous, ça doit être, on me sent mal à l'aise, il se détend, rien de plus, rien. Alors que bon, je suis pas chez moi, ouais, ok, je vis pas là l'année, mais je suis une meuf début, je prends de la soca à un mec, quand j'étais petite en fait, parce que nous, quand on était petit, on allait à la montagne, à la neige, c'était les meilleures vacances du monde. Ensuite, je fais un peu dans le désordre, parce que je peux pas trop aller dans l'ordre, parce que 10 pour 2 heures, euros, pour 2 heures, 10 personnes, parce que bon, mais tout le monde a très envie de le faire et tout, donc sur le coup. Donc ils vont voir le mec et tout, ils disent non c'est pas possible, c'est trop. Avec le mec à 3006. Donc on passe de 5000 à 360 euros par personne. C'est ce qu'il leur avait promis et tout, donc voilà. Mais c'est pas grave. Je me dis bon le mec il a fait plus 3700 euros. Ah non, il me demande par contre de mettre 2000 euros de... On arrive sur place et tout. La meuf elle me dit bah du coup ça fait 4000 euros. Donc en fait là il est en train de nous mettre une carotte sur place. J'ai dit je suis choquée. Et le même jour, juste après, Guillaume, hein, il s'appelle, ce monsieur, apparemment dit à des gens du village, on va aller pour 5000 euros pour faire un tour de chien de traîneau et un tour de moto de neige. Effectivement, excuse-moi, c'est que finalement, on me dit 4000 alors que c'est 3006, c'est qu'on est en train de casser les pieds là. Parce que des gendarmes sont venus nous voir. Donc, ils nous ont un peu fait perdre notre temps. Donc. Et il nous reste qu'une heure. Donc, en cas, je dis, c'est mort, je ne fais pas. Et figurez-vous que donc du coup on s'en va et les femmes qui travaillent, on est choqués aussi. Genre on s'est reçu un appel de l'agent, le couvre-feu c'est à 18h, si à 5h40 ils sont encore là-bas. Et donc je me dis putain ils vont jamais nous lâcher ces condés. Jusqu'au bout ils nous ont pas lâchés. Hein. Ils venaient faire des photos, quelques mamans super sympas. Et quelle foule quoi, on est vraiment gentil qu'on a des contrôles tous les jours parce que soi-disant, nous avons des vies en permanence. C'est pas grave. Et donc ce monsieur Guillaume, une heure c'est trop cher, etc. etc. et qu'on veut pas. Bah, ce monsieur ne répond pas gentiment d'aller se faire foutre, quoi. Genre, il compte pas rendre l'argent. Donc, ses clients. Je vous suis jusqu'à là. Finalement, il aurait pu prendre d'autres clients. L'euro, je sais pas. Mais regardez la suite, je suis choquée. Supposons qu'on était en week-end. Je ne sais même pas quel jour c'était. Donc, disons que même en doublant le prix, du coup, ça fait 130 par personne. Donc, on est toujours très loin. Nous ne sommes que 6 avec 3 enfants. Supposons que je lui ai fait perdre la place pour l'euro. 1000 euros parce que c'est ce que tu as perdu comme argent. Mais en fait, non. Depuis le... Suite à côté de ça, je ne passe toutes les fêtes. C'est leur travail. C'est en règles sanitaires, quoi. Mais à côté de ça, donc nous, on a retrouvé Nikki à l'époque, etc. À Saint-Barth. Bon, bref, on les voit normal. Donc, on les invite à manger à la maison. Leur restaurant, eux-mêmes, depuis qu'ils l'ont acheté, ne l'ont jamais tout. Soi-disant, on s'est fait balancer. Les gendarmes sont venus. Il y a un restaurant qui s'appelle le Blanchâtre ou le Blanchâtre. 50 personnes au moins. Alors apparemment, ils ont le droit quand c'est des problèmes de carte, de ski, etc. Mais là, si je me trompe, hein, si je suis daltonienne, je vois mal 50. Vous voyez qui tient le restaurant, hein, je parle de ces mêmes gens du village. On va pas être des menteurs, hein, je crois on était 10 ou 11, il a dit, le monsieur, enfin le gendarme. Figurez-vous, on s'est pris une amende. Problème. Parce qu'en fait, ils sont en train de lui dire que vous
faisait de la cuisine et nous on le payait. En gros, c'était ça d'après leur dire dans son travail. C'est-à-dire que genre, c'est comme un chalet et dans le chalet, on était 10. Très bien, pas propre. Vous avez montré, il y a des gens, ils mangent sur cette table. Ils vont, bah, j'espère, pouvoir ouvrir leur restaurant un jour. Et je vous en prie, les habitants de la station de ski et les gens. Et bon, comme partout. Hein. Mais moi, en fait, partout. Genre, je comprends pas. À la base, on est. Ah oui, aussi, ma tante Céline, donc la mère de Justine, c'est la régisseuse de la GLC. Et elle aussi s'est pris une amende. Et ils lui ont dit que c'est la régisseuse de la GLC. Ma tante, c'était ma régisseuse. Donc ça en devenait, avec notre iPhone 12 sur une piste, comme tous les gens du monde, j'ai l'impression. Célébrité. Et je vous jure, si j'avais pas été malade, le gendarme il vient sur la place, il dit d'un coup à Laurent, vous avez vu, on a vu, on n'est pas venu par l'espace. What? Mais qu'est-ce que. Mais en fait, genre, aujourd'hui, moi je suis là pour incriminer Pé et lui. Voilà, je vais pas bien, bien raison. Moi, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire? Ça sert à rien. Donc, je m'en fous. Parce que voilà, moi en fait, je fais des très, très, très. Mais je voulais faire vivre à mes enfants la nature, et les arbres, la neige, enfin. La haine des gens, et ça c'est un petit peu plus grave. Non pas où j'aurais pu aller, hein. Bali, Bahamas, Courchevel, chalet, juste normal, genre sans pression. À chaque fois, on allait se faire embrouiller par les Condés ou qu'ils allaient ces jours, mais ça, on est riche, c'est pas grave. Et on a demandé, enfin, rien. Famille normale qui va aussi, c'est ce qu'on voudra. Et à cause de la police, bah, on n'a pas. Pour terminer, mon ami, mon voisin, mon oncle, ou un pisteur, et au final, mon ami, il a des emmerdes. Alors que c'est un jour passé et que si mon ami a des passera devant la justice aussi, problème. Et malheureusement, si le piston existe, quand je vais en boîte de nuit, par exemple, c'est vrai, je ne fais pas la queue. Bah, ça s'appelle. Mais pourquoi? Parce que je suis jazz. Donc oui, ça s'appelle du favoritisme. Oui, c'est le monde et d'avoir tout le piston du monde, elle a bien raison. Toi, on l'est pas. Là, aujourd'hui, mon ami s'est fait emmerder. J'ai une story de 2h30, désolé, j'ai horreur. On a vécu des trucs fous là-haut. Voilà, mais. Bah, écoutez, j'irai à Courchevel. Voilà. Mais c'est pas grave. Et pour finir, c'est vrai qu'on a passé quand même une genre de truc chez moi. C'est les garçons là-bas. Je vais dire un dernier petit mot quand même. Ça coûte moins cher, mais je l'ai fait quand même. Parce que je voulais vraiment être dans... Et que c'était le bazar contre bazar. Et très blessante. Eux, ils le font entre eux parce qu'en fait, tu sais, vous savez, dans les villages, genre, truc et truc. Donc en fait, des histoires entre eux. Donc, il nous a en tout cas un grand merci. Et je rigole, hein, on sait jamais si vous comprenez pas le sens. Je voulais dire quand même un petit mot sympa. En fait, j'arrête pas de dire que je finis cette sortie comme ça. Mais vraiment, des trop drôle. Même avec ce pompier, un des pompiers, donc je pense que c'était la pasteur. Et je vais finir accroché à un poteau et tout. Je rigole, moi, magique. Et voilà, et les pompiers qui étaient avec lui, les petits jeunes, étaient super sympas aussi. C'est quand même, il m'avait ramené plein de lunettes. Je suis trop contente, je vais vous les montrer. Voilà les amis. Ils ont toutes les lunettes. C'est ce qu'elle m'a pris. Toutes les gentilles qui passeront au vélo. Toutes les gentilles qui passeront. Bon, et aussi, bon, rien à voir avec la personne que je vous ai dit qui a trop. Genre, tu peux la mettre derrière comme ça. Je vais les acheter, j'adore. C'est tellement stylé. Genre, en fait, c'est comme ça, ça croit ton canon, ce qu'elle m'a choisi. J'ai acheté aussi les nouveaux sous-vêtements de chez Kimka. Donc, les bandeaux, bon, j'avais pas eu le temps, j'ai pas réussi à avoir le temps de prendre les bandeaux. Je voulais vous dire aussi, parce que je voulais vous dire, comme nous on n'est plus résident français, bah, donc ajoutez-le sur Snap et vous explique comment. Les filles, je sais pas si vous connaissez cette crème de corps, mais elle est incroyable. Écoutez, donc le sac que je te disais tout à l'heure, c'était un sac à chicha. Ma mère, elle s'est rendue compte que quand on a chargé, on a laissé sa valise dehors, volé sa valise devant le chalet. C'est une putain de blague. C'est une putain de blague. Mais je suis choquée. Mais c'est quoi ça? Je vais le dire en story. Oh non, mais là, j'en ai ras le cul. Ah, là, ras le cul. Bon, après, on l'a laissé dans la rue, hein. C'est notre faute. Hein. J'ai dit à Amérique, pourquoi on a laissé un sac dans la rue? Comment on a oublié ça? On est deux teubés. Mais je sais pas, la dame, il fait que parler, les sacs, les trucs. Mais tu te rends compte que vous, les Français, enfin, les gens qui vivent en France, tellement, genre, pour vous, c'est normal. Bah voilà. Après une semaine de maladie, être enfermée, donc là je me suis pris séchage. Bon, j'ai pas lissé, j'ai lissé comme ça naturel. Je vais me maquiller. Voilà, j'ai voulu absolument, avec mon nouveau pinceau qui est tout neuf. Parce qu'une personne m'a dit, ah, mais s'il faut dans ton éponge, t'as du fond de teint de autre chose. Donc du coup, on dirait que c'est le fond de teint, il est blanc. Et je vais le mélanger, je vais tourner ma caméra pour que vous puissiez voir. Donc je fais du mieux que je peux. J'ai placé mon portable au-dessus de boîte. Mon pinceau tout neuf, mon fond de teint. S'adapter à ma couleur de peau.
Et vous voyez, regardez sur mon pinceau n'est lié, plus il va s'adapter à ma peau et être tout. Donc voilà, j'ai baptisé mon pinceau avec vous. Je vais le mettre entièrement d'une couleur et ensuite sur votre peau, vous allez bien le faire pénétrer dans la peau et cacher toutes les imperfections. C'est que vous ne perdez pas de couleur et surtout, vous avez la teinte exacte. Parce que franchement, ce qui est insupportable, je vous le dis à chaque fois, mais je vous sur la gueule, qui ne correspondent pas à leur couleur de peau. Soit ils sont trop blancs, soit ils sont trop bronzés. Franchement, c'est pas beau du tout. La couleur sur la peau est parfaite. Voilà, une fois fini, les filles, quand votre teint est parfait. Donc en fait, si vous voulez en mettre beaucoup, vous pouvez avoir un effet très opaque. Si vous voulez en mettre très peu, vous pouvez avoir un teint très léger. C'est voilà, c'est le fond de teint Hailey Beauty que j'utilise au quotidien, que ce soit moi, Noé, plein de tests sur plein de personnes avec vous. Et vous avez vu que sur n'importe quelle couleur de peau, ça fonctionne. Les deux secondes, les bébés, ils sont rentrés. Ils vont ramener des frères, mes bébés. Bon, je les ai mis au bain. Ils sont en train de faire un... Hey guys, what are you doing? Don't make pee-pee in my bath. Donc, que des conneries. Bon, en tout cas, les filles, je vous disais, ce fond de teint correspond à tout le monde. Bon, il est presque vide le mien, il faut que j'en recommande d'ailleurs. C'est le moment parce que j'avoue et pour moi, bien évidemment. Je vais finir mon make-up, je vous montrerai la fin de mon make-up. Voilà, donc j'utilise un peu général, mais le fond de teint tout, reste toujours Hailey Beauty. C'est fini les fonds de teint de marque. Je me couvre avec Hailey Beauty. Ma teinte, elle est toujours parfaite. Et quand je mets ma poudre par-dessus, donc qui est Anastasia, vous avez toutes besoin d'un Hailey Beauty. Et que vous passez comme moi de la neige, ça aura toujours à votre teint, que vous soyez. Vous avez moins 40% sur tout le site de Hailey Beauty, les filles, pour avoir mon top. Pour le prix, vous ne trouverez jamais, jamais mieux, je le dis. Depuis que j'en parle, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, même des conseillères de chez Sephora. Pas un fond de teint comme celui-ci à mettre en rayon. Parce que voilà, c'est vrai que y aurait, les fonds de teint comme ceci qui s'adaptent à coûte pas cher. Ça coûte moins cher qu'un fond de teint normal. Et surtout, c'est de la très, très bonne qualité. Je peux vous l'assurer, je ne porte que ça. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je suis au resto ce soir, petit dîner entre copines. Je suis là. Alors, en fait, elle a trop l'habitude que je râle quand la vidéo YouTube de l'anniversaire de Kaidou, donc le premier anniversaire en famille le... avec mes baby girls. Vraie table de meuf. Voilà. Après une bonne semaine de vacances de MERDE sans manger,